Lancement de la troisième législature à l'Assemblée provinciale du Lualaba, ce lundi 5 février 2024. Le bureau provisoire qui a été installé par l'administration de l'Assemblée provinciale du Lualaba, ce bureau d'âge qui sera dirigé par l'honorable Kazim Ben Swana, assisté de deux jeunes élus. Par conséquent, l'honorable Kazim Ben Swana Ilunga Mathieu est désigné président du bureau. Kalenda, Gloria et Machao Mununga Amos sont désignés respectivement premier et deuxième secrétaire. Merci. Marteau à la main, signe de pouvoir. Ainsi, l'honorable président du bureau provisoire aura comme tâche de validation des mandats des élus, élaboration et adoption du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale, organisation et installation du bureau définitif. Bien avant cela, l'honorable Kazim Ben Swana a rendu un vibrant hommage au président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je ne saurais clore mon propos de ce jour sans rendre hommage, mes hommages le plus différent à Son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour avoir rendu effectives les élections du 20 décembre 2023, à l'issue desquelles il a été réélu massivement à la tête de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Que vive la République démocratique du Congo, que vive notre chère province du Lualaba. Je vous remercie. La gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi, élue de Kolwezi, a pris part à ses assises la nouvelle législature 2024-2028.